Ah si, là, il faut les laisser. Là, il faut les laisser. Oui, oui, là, mais là, là, les branches qu'il va garder, là, il ne va pas les couper, il va les laisser. Là, il faut les laisser, les branches. Si, il vaut mieux enlever une branche complète, comme il a fait là, t'enlèves la tête. Okay. Juste couper la pointe. Que t'amuser à couper quoi. Toutes les pointes. Ouais, parce que là, il y a... Et les autres, ouais. C'est encore pire. Okay. Les écailles, quand tu mets en forme, ouais. Il ne faut pas, surtout pas intervenir au bout. Il faut laisser les pointes partir. Mmh. Alors, tu mets ta branche et tu laisses la pointe. Alors, les gens te disent, ouais, mais c'est moche. Ouais, hey, on la je ne vais pas la laisser. Non. Non, mais... Ah ouais, non, mais c'est clair. Donc, tu mets en forme même un, comme ça, tu mets ta branche en disant, tu vois, mon volume, il est là. Ça, c'est bien posé. Et ça, tu ne planifies pas dessus. Tu et après, tu peux faire un coup. Parce que sinon, le relais de vigueur, il ne se fait pas. Et en plus que tu l'as baissé, tordu, vrillé, coupé, la branche sort. Et là-dessus, on fait un rempotage, on peut faire une mise en forme aussi directe ou pas? Non, là, il fait une taille de structure. Une taille de structure. Pas ligature et tout. On pourrait, à mon avis, mais... Comme il l'a vu il n'y a pas longtemps, il ne le connaît pas. Si c'est lui qui l'avait ramassé, semé ou bouturé depuis 15 ans, il sait ce qu'il peut faire dessus. Quand tu achètes un arbre, quand on te donne un arbre, une année, tu regardes comment il se comporte. Une fois que tu le connais, ça roule. Même là, je n'aurais pas eu l'expérience des autres qui les ont achetés. Non, on ne t'aurait pas osé non plus. Mais ouais, c'est pour ça que je te dis ça, parce que j'ai entendu ce qu'il disait tout à l'heure et qu'il a tout coupé, ça pousse. A priori, nous, c'est pareil. Les communistes, des fois, vous les quatre, quand on les prélève, on coupe tout. Et ça redémarre. Donc tu dis, bon... Il y a combien d'années de culture en pleine terre? Il y a quand même quelques années. Ah ouais, sûrement, ouais. Ouais, mais pas tant que ça. Faut se méfier. Parce que ça dépend comment il... Ça dépend, le terrain, là où il a été cultivé. Mais quoi, 4-5 ans? Ah, c'est humide, apparemment, il a été cultivé. Tu vois, les cannes qu'il y a dessus... Les Sitoyawa dans des bons terrains, très acides, vers Gironde, tu vois? Ouais, c'est près de Barcelone. C'est granit et tout, 5 ans, ils sont comme ça, quoi. Dans le sol, 5 ans. Et les plantes en des boutures, des petits plants qu'on met en forme. Mmh. En 5 ans, ils sont comme ça. Quand chez moi, je les ai mis. Ils sont restés 3 ans, ouais, ils sont comme ça. Donc j'ai dit, c'est bon, je les ai enlevés, je les mets en pot, ils poussent plus. Mmh. Parce que dans le sol, ça va pas, quoi. Ouais, mais c'est pareil, j'avais des genévriers qui poussaient pas trop, j'ai mis en pleine terre. Ça pousse pas plus. Non, en pot, ils pousseront plus vite. Là, j'en suis à 2 ans. Bon, c'est pareil. On n'a jamais essayé ça, mais tu les mets en cagette et en pot. Est-ce que tu choisis le substrat, ce moment-là? Tu vas leur donner? Oui, puis ça chauffe plus. Ah oui. Ils aiment avoir chaud. Oui, c'est ça. Chaud, mais avec beaucoup d'humidité. Donc nous, s'il fait chaud, c'est sec. Alors, tu ne veux pas non plus arroser tout le temps, parce qu'ils ont trop d'eau. L'humidité, c'est pas l'arrosage, quoi. Donc tu vois, à chaque fois, c'est en fait... Tu vois déjà à peu près comment il va être, plus ou moins. Tu as vu de loin? Et sans déconner. Tu vois, regarde. Bon, c'est un peu trop. Ouais, mais... Tu vois? Tu sais à peu près comment il va être. Alors après, c'est lui qui va choisir où il y a plus de feuillage de ce côté, ou il y a plus de feuillage de ce côté. Ce qui est dommage d'enlever celle-là pour mettre en valeur le coude. Mm-hmm. Parce qu'elle est super belle. Elle est vieille, parce que celle-là, elle est vieille. Mm. Celle-là, on l'enlève, hein, de toute façon. Ouais, le gros moignon, là. Mais fais gaffe, parce que ça doit être un peu dur, non? Ah non. C'était mon bien. Merde. Regarde. Une. Ah, tu payes de ta personne, c'est en prélevant en chaîne vers autrefois. Parce que là, t'as encore quoi? T'as 2 ans et dans 2-3 ans, il est bien ton arbre là. Ouais, ça, je pense qu'il va aller assez vite. Ça va aller vite, ça. Ouais, Percus, il est. Là, oui, non, lui, il va.